pas fin pour toi que je te mêle à nos histoires. Comme j'ai rien à voir avec ce que tu dis, Emma, j'aimerais mieux que t'en prennes le pluriel. Vous m'avez l'air parti pour jaser de je sais pas quoi, là. Ça doit continuer ou bien vous me mettez au courant. Ou bien je m'en vais tout simplement retrouver Bouska. Il n'y a rien de compliqué. Ça a juste été inattendu. Pour me prendre de court, ça m'a pris de court. Je mentirais si je disais le contraire. C'est-tu possible, vous ou non, de savoir de quoi vous parlez? Un matin, on est parti de Saint-Jean-de-Dieu pour venir voir Eugénie. C'était parti-là des choses, je pense que je l'avais déjà comprise. Ça m'éclaire pas pour la peine. Si tu laissais finir Benjamin, il y a peut-être plus de chances pour que tu saches. Léonie puis moi, on a vendu dans la boutique de Forge. Puis quand ma mère est arrivée, ben Léonie nous a appris à tout le monde en même temps qu'elle voulait devenir forgeron. Puis? C'est par exprès que tu fais semblant de pas comprendre. Toi-même, tu l'es, forgeron. Je pense pas que ça pose problème pour personne. Pourquoi ce serait pas pareil pour quelqu'un d'autre qui voudrait pratiquer ce métier-là? Ça paraît que t'es parti de trois pistoles pendant 10 ans. Comme rien, t'as dû oublier que notre famille puis celle des Bérubés sont en chicane quasiment depuis le commencement du monde. Des vieilles chicanes de famille. Je peux pas dire que je tripe fort là-dessus. Nous autres non plus. Et c'est pas le cas pour Pan, comme ça l'est pas pour le père de Benjamin puis de Léonie. Quelque temps avant que tu reviennes, Philippe Piment voulait que la quincaillerie achète son bois du moulin à Sitiquatic. C'est pas rien qu'une canisse de verre qui s'est ouverte, mais tout un passé qui nous a remonté en pleine face. Et c'est pas encore comme à Montréal. Le monde n'oublie pas ce qu'il vit au fur et à mesure que ça arrive. C'est plus clair pour toi, maintenant? Au moins autant qu'une tempête dans un verre d'eau. Comme j'ai d'autres chats à fouetter, je vais vous laisser bien tranquillement discuter de votre problème. Ben, tu voulais qu'on te mette au courant. À cette heure que c'est fait, on n'a pas besoin de personne de s'étendre là-dessus. Je suggère plutôt qu'on mange à la place. Ah, Bouscotte m'attend à la maison. Quand Pa va au barrage avec Mélina, il soupe tout le temps chez elle après. C'est plutôt toi qui risques d'attendre Bouscotte que le contraire. Vous autres, j'ai pas l'impression que tu soupes à la maison chez vous, ça vous excite plus qu'il faut. Je me trompe? Ben, c'est peut-être pas nécessaire de jeter de l'huile sur le feu. Comme je vois pas les choses de cette façon-là, on reste puis on mange. Parle-moi de ça. Madeleine, on va prendre les menus. C'est pas plus malaisé que ça. Quand on veut, c'est toujours possible de vouloir, hein? Ben, évidemment. Merci. C'est pas demain que le gouvernement fédéral va devenir plus intelligent dans le choix de ses politiques. Imagine-toi donc la dernière qu'il vient d'inventer, c'est de vouloir fermer encore les petits bureaux de poste de province. Tu parles pas, mais tu pourrais m'écouter au moins. Merci. Marie Morancy à l'appareil. J'attends ton téléphone depuis la fin de l'avant-midi. Non, pas si vite. Attends d'abord une minute. J'ai quelque chose à régler. C'est de l'imprévu, on pourra pas souper ensemble. Viens me voir demain, je te paierai ce que je te dois, OK? OK. Ouais. À trois pistoles, es-tu tombé sur la tête? Non, tu bouges pas de là. J'envoie quelqu'un te chercher. Fais juste ce que je te demande. Tu vas en avoir plein tes bottes. Ça se prend pour Arsène Lupin, puis ça a une mentalité de fonctionnaire. Ben, mange au moins les légumes. J'aime pas ça, les légumes. C'est pourtant ce que tu peux avaler de meilleur pour ta santé. Ma santé, elle va aller mieux à Montréal. T'es pas tanné de faire tourner toujours le même disque à propos de Montréal? Non. Puis si ça suffit pas que je le fasse jouer tout le temps, je vais demander à Fanny qu'elle vienne vous le crier à tue-tête jusqu'ici. Ça sera pas bon pour ton film. T'auras pas le temps de le finir. J'ai déjà toutes les images qu'il me faut. Je peux donc me passer trois pistoles pour le reste. Ça t'arrive-tu de penser que ton père a peut-être lui aussi des choses qu'il aimerait réaliser? S'il était resté avec Fanny, il aurait pu toutes les réaliser, ces choses-là. Mais Lina puis moi, on peut comprendre que tu t'ennuies de Fanny. Vous pouvez pas comprendre ça. Ben, laisse-moi essayer, au moins. Je veux pas. Mais j'aime mieux aller dehors pour attendre. Ah... Tellement bouqué. Je me demande comment Charles va résoudre le problème. Temporairement, ça a marché. À cause de l'île aux Basques puis du fameux film que fait Bouscotte. Elle était déjà finie.
n'auras plus ta l'heure de l'île au Basque. T'as qu'une solution, Antoine. Faut que tu fasses confiance à Charles. Ouais, mais comme il me dit rien sur ses intentions, c'est difficile. Merci. J'ai pas l'impression qu'il y a seulement Charles puis Bouscotte qui te chicote. Non, mais il y a Victoria de Ben, évidemment. Mais je t'en ai assez par la midi pour qu'on n'y revienne pas. On a convenu qu'on se cacherait rien. S'il y a d'autres choses qui te tracassent. C'est Morneau? Ah non, ben non. Rosaire Lévesque rend visite à Léonie de ce temps-là. Alors, après tant que c'est pour Philippe puis sa cure de désintoxication. Mais après avoir vu ensemble, je suis pas certain que des vieux sentiments font pas monter à la surface. Comme Rosaire Lévesque boit plus, on risque de se retrouver comme c'était avant. Tu t'en plaignais pas? Ça a toujours fait partie des ententes que t'as avec Léonie? Ah, ils sont casteurs, il y a Charles puis Bouscotte dans le paysage. Ça change quoi? T'es rien. Aussi bien que toutes, des salons. Bon. Ben, je ramène Bouscotte à la maison. J'essaie de savoir ce que Charles a dans la tête. Je passe par le musée de l'automobile pour savoir que si tout est correct. Mm. Puis après ça, je reviens passer la soirée avec toi. Oh, oui. C'est à ce que je revienne, je te promets que les nuages m'envoient sacrer le camp dans le fin bout de la Gaspésie. Mêle de bottes. Tout le monde va encore chialer, puis ça va être de ma faute. Il a fallu que je fasse un détour par Biencourt. On a eu encore un problème avec la machinerie. T'aurais pu téléphoner. Ça t'aurait permis par la même occasion de me prévenir que Samuel descendait avec toi. Ben, j'ai essayé, je sais pas combien de fois, de t'appeler. C'est pas de ma faute, tu te répondais pas. Tu courais après Benjamin et Léonie, j'imagine? Tu peux aller bien loin. Au cimetière, je le sais. Mais sûrement pas juste là, si j'en juge par le temps que ça t'a pris pour revenir à la maison sans Léonie puis Benjamin. Je me trompe? Ils devraient être à veille de rentrer. J'en sais pas plus sur eux autres. T'en sais pas plus ou tu veux pas en dire plus? J'en sais pas plus. La seule chose qui me restait de ma mère. Laisse faire, je vais ramasser. Non, je suis capable de m'en occuper. Va plutôt t'asseoir. Tu m'as même pas dit bonjour quand je suis rentré. J'étais prise par mon roast beef. Vous arrivez tellement en retard que ce ne sera pas mangeable. On passera bien au travers, pareil. Avant de penser à mastiquer, il faudra d'abord que le rôti soit sur la table. Arrête donc de t'empêter à tout vent. Ça nous avance à quoi? Peut-être à rien. Mais moi, ça me fait du bien. Comme les absents du jour tard, tu peux les enlever. Ils sont quand même pas en retard tant que ça. Pour ce que j'en pense, Léonie et Benjamin ne sont déjà de reste. Passer en dessous de la table, ça va peut-être leur remettre un peu de plomb dans la tête. Bon, c'est quand j'accorde ma confiance à quelqu'un que ce quelqu'un là me poignarde aussitôt que j'ai le dos tourné. C'est ce dont je me suis rendu compte. Que tout ayant été passé par toi, je me retrouve moi avec tous les risques. Si notre affaire marche pas comme tu l'as prévu, là, c'est moi qu'on va mettre derrière les barreaux. Hein? Juste moi. Tu t'es arrangé pour que mon nom apparaisse partout puis le tien nulle part. Même en imaginant le pire, les beaux chemins pourront jamais t'accuser de rien. Ça devrait pas être une nouvelle pour toi. Dès le départ, c'est le marché qu'on a fait, toi et deux. T'as donc à tenir ton bout. Je lâcherai pas le mien. Tu cours aucun risque, je viens de te le dire. Un petit chalet que j'ai emprunté à ma sœur sans qu'elle sache. Je rêvais que j'étais en prison. Comme des histoires que publie le Journal de Québec. Un co-détenu me sautait dessus pour me défigurer à coups de pique à glace. Moi, vivre ça pour le vrai, là, je suis pas intéressé. Bon, un comptable, je trouve que t'as bien l'imagination.
Et pas pour les bonnes choses. N'importe quel comptable va te dire que mourir le corps tout écharogné pour un maximum de 50 000 piastres, c'est pas ce qu'on appelle une bonne transaction. T'as un peu tard pour t'en rendre compte. On peut plus faire machine arrière. J'ai un autre point de vue que le tien. On voulait frauder la quincaillerie pour que le père Beauchemin soit pris à serre entre Philippe et nous autres. Là, l'arrivée de Charles a changé toute la game. Même si Philippe ne devait plus jamais prendre une seule goutte d'alcool, la quincaillerie ne lui appartiendra jamais vraiment. Charles va toujours passer devant lui. Qu'est-ce que ça a à voir avec les 100 000 piastres qu'on encaisse? Peu importe l'avenir de Philippe et de Charles, personne ne peut nous les enlever. Tant qu'à te tenir au large. Je ne suis pas doué pour l'exil. Fuir tout le temps pour que la police ne me rattrape pas, je me suis rendu compte que ça ne m'intéresse pas. T'as pourtant pas d'autre solution. Si je vais voir le père Beauchemin, en lui rapportant le capital qui est sorti de la quincaillerie, plus les intérêts, moi, je pense qu'il serait bien heureux de m'écrire une lettre de recommandation pour un autre employeur. Moi, je veux me remettre à dormir tranquille, moi, comme avant! Puis de toute façon, ça ne changera rien pour toi. Sauf une petite chose. Je n'aurai plus rien pour faire danser Antoine sur ma musique. Tu trouveras bel moyen de te servir de Charles contre son père? Bon, tu me donnes carte blanche ou pas? Quand bien même je te convaincrai que tu paniques pour rien, tôt ou tard, tu vas craquer pareil. Étant donné que ça ne me tente pas d'attendre ce moment-là, c'est aussi bien de régler avec Antoine. Mais ça va être à ma façon, pareil. Explique-moi. Il faut d'abord que je joigne quelqu'un. Je serai pas parti longtemps. Pourquoi tu t'enfermes dans la chambre et tu t'en sors pas, même s'il y a un tremblement de terre? Tiens, Manu, viens me chercher. Où c'est que tu vas, là? Puis qui tu vas voir? Je te dirai quand je reviendrai. Là, tu t'en vas dans la chambre puis tu y restes. Si l'idée de filer à l'anglaise te venait, rappelle-toi que tu m'as déjà signé une lettre, on ne peut plus clair, sur ce qui s'est passé à Quincaillerie. Tu t'en servirais contre moi. Seulement si tu essayes de jouer au fin sino. Je vais t'attendre. C'est mieux, je pense. C'est mieux. Hé, hé! T'as pas voulu manger chez Mélina? Comme c'est pas meilleur ici, tu vas continuer à te passer une nourriture. Tu vas donc plutôt voir là, si Charles est dans sa chambre. C'est pas la chambre de Charles, c'est celle de Victorienne. Ça change quoi pour ce que je te demande, là? Je suis montée tantôt quand on est arrivé. Charles était pas là. Comme il grimpe pas encore par les fenêtres, ça donne rien d'aller chercher là. J'aimerais ça si t'arrêtais de me répliquer de la façon dont tu le fais tout le temps. Ah, on n'a pas toujours ce qu'on aime dans la vie. Qu'est-ce que tu vas encore varnousser en haut? Un film. On réalise pas ça si on passe notre temps à se tourner les pouces. Bien évidemment. Je pensais qu'il était encore au Bic. Ça fait pas longtemps que je suis à Bic. T'as rien allé comment quand t'es parti de chez Marie-Victor? Tu sais bien que comme t'es allé la voir, elle se plaignait plus de rien. Ah. Elle a eu aussi une autre visite qui lui a fait bien plaisir. Qui ça? Philippe. Ah. Je pensais qu'il ne va pas sortir de sa maison de Rimouski, celui-là. Je l'ai appelé pour l'informer que Victorienne filait un mauvais coton. J'imagine qu'il est allé au Bic avec la gribiche qui l'accompagnait quand il est parti du site. Il était avec le directeur de la maison de Rimouski. Oh! Qui m'a d'ailleurs permis d'aller voir comment est-ce que c'est chez eux. Mm-hmm. Mais tu pourrais au moins me demander des nouvelles de Philippe. T'as l'air tellement heureuse que j'imagine qu'il va bien, c'est comme rien. À moins que ton bonheur vienne de quelqu'un d'autre, bien évidemment. Recommence pas à m'agousser avec Rosaire. Je pourrais moi aussi m'amuser à le faire avec tu sais qui. C'était sans conséquence de ma part. J'espère que tu le sais. Comme Charles n'est pas encore rentré, j'aimerais ça que tu jettes un coup d'œil à Bouscotte de temps en temps qui est dans sa chambre. C'est le fils de Charles, hein? Ni le tien ni le mien. Comme j'ai pas encore soupé et que ça me tente pas de m'en préparer, je m'en vais manger au restaurant. Je t'invite, si ça te tente. J'ai déjà mangé. Va donc prenez Bouscotte qu'on sera pas la personne. Bon souper quand même. Je
Je l'ai deviné tout de suite que t'en savais plus long que ce que t'as dit à Pat. Avant qu'il revienne des bâtiments, pourquoi tu me racontes pas ce qui se passe? Étant donné que Pat et moi, on va finir par l'apprendre de toute façon, ça aura au moins le mérite de nous sauver des pots. Léonie et Benjamin ont passé la journée à Trois Pistoles à la boutique de Forge d'Eugénie. Alors qu'ils sont sûrement encore ensemble. Après Rimouski, l'autre jour, je me doutais bien qu'on se retrouverait devant une affaire pareille. Il serait temps que Benjamin reprenne le bois. Étant donné que Léonie peut pas en faire autant, ça changera pas grand-chose, même si Benjamin se retrouve à bien court. Que c'est qu'elle a encore imaginé pour donner du trouble à tout le monde? C'est d'enrager Boromé qu'avise. Quand je suis descendue à Trois Pistoles jusqu'à la boutique de Forge, imagine-toi donc que Léonie m'a dit qu'elle travaillerait là désormais. Elle portait déjà une vieille chienne de garagiste, comme ça avait déjà commencé. Léonie est plus pareille depuis que Brunante est morte. Elle a toujours aimé marcher à contre-pied. Ça date pas d'hier. Son mariage avec Bégin, c'était clair comme de l'eau de roche que ça s'en irait tout croche. Tout le monde y avait dit. Faudrait que Léonie comprenne un jour que c'est elle qui est pas correcte. Je me demande si un jour elle va être capable de passer par-dessus la mort de Brunante. C'est arrivé à d'autres qui y sont parvenus. Pense, Bocan, si tout pis sur rien, mais elle se retrouve sans manche. Tu diras pas que je suis parti à Trois Pistoles. C'est au moins de pouvoir empirer les choses, tu veux. Ça dépendrait pas de moi si ça devait être le cas. Mais là, tu nous écoutes pas personne. Je vous écoute pas parce que j'ai pas besoin de le faire. Quand je vous vois ensemble de même, je suis capable de tirer mes conclusions. Il n'y a pas de raison pour que ça te fâche, par exemple. Je suis pas fâchée. Je trouve seulement que Charles et toi, vous devriez faire passer la famille avant tout le reste. Ça serait plus utile. Aussi bien pour Victorienne que pour Philippe. Pour le reste, j'ai plus rien à dire, j'ai trop faim pour ça. Mais? On laisse faire. Quand je mange, j'aime pas ça me sentir coincée comme si j'étais en bout de ferraille dans un étau. Ton fils est tout fin seul à la maison. Mais je te l'apprends juste au cas que la chose t'intéresserait vraiment. Bon. J'ai pris pas mal de décisions aujourd'hui. Faut que j'aille en parler à Bouscrot. Ça t'empêche pas de venir nous rejoindre après? On va être de l'autre côté en train de danser. Non, quand personne n'est là pour Bouscrot, je m'inquiète toujours un peu. Les gardiennes, ça existe. Même à Trois Pistoles. La danse, ça sera peut-être pour une autre fois. Comme je suis pas tellement bon là-dedans, personne ne devrait s'en plaindre. Ah? Eugénie m'a déjà dit qu'avant de t'en aller à Montréal, tu passais toutes tes soirées au manoir. Au manoir? Je dansais pas, je fumais. Mais jamais. Un petit jour, j'irai te rendre visite à Bianco. Ça fait longtemps que j'ai pas mes pieds dans le vrai bois. Quand tu veux. Salut. Salut. On va danser maintenant. La mère? C'est pas grave, ma mère. On s'en va de l'autre côté. Si tu veux t'alléger le corps puis l'esprit après avoir mangé, viens nous rejoindre. Comptez sur moi. Maudit ça. Je donnais une leçon de piano? C'est à mon tour de vouloir te parler, c'est urgent. Je peux plus attendre. Ton père t'attend devant la maison. La prochaine fois, tu resteras plus longtemps. OK? Je t'aurais pas dérangé si c'était pas important. Qu'est-ce que tu me veux? Un conseil. Toi me demandes un conseil? Il doit sûrement y avoir un attrape quelque part. D'habitude, les conseils, c'est toi qui les donnes. Si tu commençais par m'écouter. Je me meurs d'entendre l'idée de génie que tu as dû avoir encore une fois. Cette histoire, pourquoi je vous ai trouvée?
mais rien aussi effrayant, épeurant et laide, comme les vampires le sont tout le temps. Bien sûr, ça commence avec une femme, et à cause d'une femme. Et Boit et son royaume, c'est une île qui ressemble à une grande bouche. Ce jour-là, tout paraît bien beau et tranquille. Je te l'ai dit des mille fois que j'aguis ça quand on regarde ce que je fais. Je suis rentré, t'étais tellement pris par tes images que je me suis fait le plus discret possible. Je suis content pour toi que ça aille aussi bien. Tu te trompes. C'est pourri ce que je réalise. Moi, ça m'a pourtant drôlement plu. Tu connais rien au cinéma. Tu t'endors tout le temps quand tu regardes un film. Une fois que tu vas l'avoir fini, j'ai aucun doute que ton film va me tenir réveillé jusqu'à la fin. Tu dis des niaiseries. J'en ai pas besoin. Tu devrais me croire. Je suis sincère. Je veux plus qu'on en parle. Pourquoi t'es monté me voir? Quand j'ai vu ta grand-mère au restaurant, j'ai pensé que t'avais pas dû manger. J'ai soupé chez Mélina. T'as l'air plutôt bien t'entendre avec elle. Elle sait comme moi que c'est juste en entendant. En entendant quoi? Qu'on repop pour Montréal puis que Fanny prenne sa place dans mon film. On va en parler. Ça te fait rien, j'aimerais mieux en bas. Pourquoi c'est faire en bas? Je pense pas que Alfred Hitchcock accepterait de servir de son atelier pour autre chose que ses films. En bas, je vais pouvoir te préparer un sandwich. Même un cinéaste, ça mange de temps en temps. Prépare d'abord le sandwich. Je descendrai après. Seulement si j'ai pas besoin de crier après toi pour que ça arrive. Faut que je visionne encore. Dans 5 minutes, j'aurai fini. Tantôt. T'aurais pu rentrer à la maison. Je peux rentrer à la maison parce que j'en avais pas le temps. Ma s'inquiétait, t'aurais pu téléphoner. Je pars polyvalente pour me rapporter à parenté dès que je change d'idée par rapport à ce que j'ai envie. Hein? Tu compliques tout le temps tout. Sur le plan de la simplicité, on peut pas personne être aussi doué que toi. Tu peux chercher à m'insulter autant que tu veux, je me sens pas atteint parce que tu dis. Je suis loin de ressembler à peu là-dessus. Hey, je suis pas venue ici pour entendre parler de papa, OK? Autrement dit, là, je te retiens pas. Ouais, t'es loin de ton profil, je trouve. Hein? Comment ça se fait que t'es pas squatté? On a demandé à Samuel de venir nous saigner ici, puis il a accepté, comme d'habitude. Personne m'a rien demandé. Si ça avait été le cas, j'aurais dit non. Oh, un vrai Mario Garotti. Bon. Je te crois, tu me convaincs que c'est effrayant. C'est quoi le problème, là? D'après-moi, qu'est-ce que tu pensais? C'est pas ce que je pensais que t'allais dire, hein? L'idée de venir ici, là, était pas de toi certain. Laisse-nous parler, Samuel. Non, pour moi, c'est pas nécessaire. Je sais déjà que Matt t'a raconté qu'elle est venue écornouffler à 3 pistoles aujourd'hui puis qu'elle a appris que j'allais travailler avec Eugénie. Je t'ai pas encore vraiment donné mon accord. Quand on engage quelqu'un, il faut lui payer. C'est en ça que les deux bouts sont loin de se rejoindre. Je demande pas à être payé. En tout cas, pas tant que je vais apprendre. Puis après, là, on trouvera bien à s'organiser. Forger, c'est pas un métier pour toi. Je te demande-tu ton avis là-dessus? Pourrais-tu penser un peu à papi et maman? Hey, j'ai déjà tout donné, OK? Là, je m'occupe de rien d'autre que de moi. Puis ça serait une bonne chose que t'en fasses autant. Certain qu'on va danser. Avant, Léonie était loin d'être facile à contenter. Là, on dirait qu'elle a décidé de virer bout pour bout. Ça sera pas beau à voir tout à l'heure si on n'arrive pas à raisonner personne. Si pas s'entêtait pas pour des histoires qui sont tombées en poussière depuis longtemps, ça serait différent. Dans le bois, là, quand une bête n'est pas capable de s'adapter, les renards finissent par la manger. J'aime bien ta philosophie, sauf que pour l'instant, c'est mieux d'aller discuter avec les parents. Sans Léonie, c'est de la perte de temps. Ben, si t'es d'accord, retourne dans ça.
Je suis pas une fille à problème. Je voudrais bien t'aider. Comme je connais M. Bérubé, il serait loin de l'apprécier. Je le regrette, par exemple. C'est sur ta sincérité que j'ai des doutes. Je suis de l'avis d'Antoine que Gervais Morneau peut pas avoir manigancé une fraude pareille sans l'appui de quelqu'un d'autre. Antoine puis toi, vous vous trompez pourtant. Que t'aies soi-disant retrouvé Morneau avant même la police. Prouve qu'une chose, que je suis autrement plus rapide qu'elle. Contrairement à ce qu'on pense, les délinquants se cachent jamais très loin. Ça a été le cas pour Thief Bégin quand il a enlevé sa fille, puis je me suis dit que Morneau avait dû faire comme lui. J'ai passé sa famille au peigne fin, puis j'ai déniché Morneau dans le petit chalet qu'une de ses sœurs habite plus parce qu'elle vit à Toronto. T'es pas sorcier? Fallait que je suive la bonne piste. Mettons que tu dises vrai là-dessus. Mais pourquoi Morneau tournerait Kazakh de bord aussi facilement? Par peur de moisir en prison. Il me semble que c'est une raison suffisante. Toi-même, t'as jamais été très accommodant avec Antoine. Les conditions sont plus les mêmes maintenant. Commence à flaser, comme toujours. Même si je sais que beaucoup de monde n'y croit pas, la priorité de ma vie tourne de plus en plus autour de la régionalisation. Puis ça prend autre chose que les velléités du gouvernement du Québec pour l'incarner. Dans les nouvelles d'aujourd'hui, on parlait de la fermeture probable de tous les bureaux de poste des petites municipalités du Bas-Saint-Laurent. On risque de passer un automne puis un hiver chaud. À compter de maintenant, j'entends mettre toutes mes énergies là-dessus. Puis pour contrer les intentions du gouvernement, va falloir que je rappaille aussi bien les beaux chemins que les Bérubés. On est bien loin de Gervais Morneau, je trouve. Juste en apparence. Dans la défense des bureaux de poste, je vais avoir besoin de Philippe et de Charles. Ils me donneront pas de coup de main si Antoine doute encore de mon honnêteté. Quand on a les projets que j'ai, c'est important de montrer patte blanche. Si Morneau avoue tout à Antoine, puis s'il rembourse, capital puis intérêt compris, moi, ça me satisfait. Parce que ça va être la preuve que j'ai rien eu à voir dans cette affaire-là. Ben, c'est à lui que tu devrais dire ce que tu viens de me raconter. Non. D'abord à toi. T'as été la première à douter de moi. Puis je voulais que tu sois la première à me dire que tu me crois. C'est oui, ou ben c'est non. Antoine n'aime pas qu'on le dérange quand il travaille au musée. Je vais lui téléphoner. Merci, Mélina. Si tu réponds pas à rien de ce que je te demande, on n'avancera pas vite. Tu m'as rien demandé. T'as tout décidé par toi-même. Non, j'ai seulement décidé pour ce qui me concerne, moi. Tout l'automne, je vais faire un stage à Beurrie de l'Île Verte, puis un autre à Fromagerie des Basques. Si ça va comme je pense, je vais pouvoir pratiquer mon métier dès l'hiver prochain. C'est du beurre puis du fromage. C'est pas un métier. T'as le droit de le penser, sauf que ça change rien par rapport à ma décision. Je veux pas rester ici. J'ai dit ça, trois pistoles. T'oublies que je suis venu au monde avant toi, hein? Puis qu'à mon âge, j'ai le droit d'orienter ma vie de la façon que ça me tente. Mais je peux pas t'obliger à me suivre là-dedans. Dis-les donc, t'es prête à m'abandonner? J'ai absolument pas cette intention-là. Aujourd'hui, là, je suis allé à l'école Chanoine-Côté. T'inscris pour la nouvelle année scolaire. Ça m'intéresse pas, l'école Chanoine-Côté. Demain, on va aller ensemble la visiter. Non, moi, j'irai pas. Là, si tu continues à boquer, j'aurai pas le choix, Bouscotte. Je vais demander à Fanny de trancher le problème. Pour toi, puis pour moi. Et si tu penses pouvoir être plus heureux avec elle, je vais te laisser partir. Même si je souhaite que tu restes avec moi. À ton âge, on a le droit de choisir nos parents. On dirait que maintenant, ça te fait rien de te débarrasser de moi. C'est à cause de la femme que t'as vue à Rimouski? J'ai été pas lié avec Léonie parce que c'est une amie d'Eugénie. Tu passais ton temps de coller contre elle. Juste parce qu'on se faisait bousculer par le monde autour de nous autres. Tu faisais avec elle pareil comme Judith agissait quand on était à Montréal. Oh. Tu regardes trop par l'œil de ta caméra. Ça déforme ta vision des choses. Tu veux jamais voir la vérité en face. Oh, je sais que pour toi, il y a seulement Fanny qui est capable d'y arriver, hein? Il y a juste elle aussi. Si t'es d'accord, non?
Je la rejoins en Californie. Puis on se met d'accord à trois sur ce qu'on va faire. Mais avant d'appeler Fanny, je veux que ça soit clair entre toi et moi. Peu importe la décision qui sera prise, faut que tu me promettes tout de suite que je t'entendrai plus chialer. Chialerai pas. J'ai hâte de parler à Fanny. D'abord, il va falloir que j'appelle son agent parce que elle m'a pas laissé son numéro de téléphone, Fanny. Moi, je l'ai. Il est dans ma chambre. Je vais le chercher tout de suite. T'assieds avec nous autres plutôt que de bouder de même dans ton coin. Tantôt, je t'ai demandé de réfléchir. Quand t'auras une réponse à me donner, je parlerai avec toi. Pas avant. Quand ben même Léonie ferait un stage avec moi à boutique de Forge, en quoi ça devrait changer la suite du monde? Si tu veux me signifier que ton choix est fait, exprime-toi plus clairement. C'est l'histoire de quelques semaines. C'est pas le temps que ça peut durer qui m'importe. Comment Antoine va réagir, tu penses? Je m'arrangerai bien avec Pam. Je te souhaite bonne chance. Au lieu d'aller faire des flemmèches à la maison, reste donc. Personne ne va te manger, puis on va peut-être éviter une autre tempête dans un verre d'eau. T'es en amour, Eugénie. J'aurais pas tué. Et que tu veuilles pas t'en rendre compte, c'est ton problème. Mais t'as tort de mêler Léonie à quelque chose d'aussi privé. Avant de t'en mordre les pouces, fais donc ce que je t'ai demandé tantôt. Réfléchis-y. Pas arriver à la convaincre. Je pensais pas y arriver non plus. Le plus simple pour tout le monde, c'est peut-être que t'abandonnes ton idée de travailler en boutique de Forge. Ce qui est simple, ça m'a jamais fait triper. Si t'es toujours d'accord, il n'est pas question que je m'en vire à l'envers dans ma vie privée. T'en penses quoi? Rien. C'est pas moi qui vais apprendre à forger. Non, je parlais surtout pour nos familles respectives. Quand je me retrouve dans le bois, je sais plus c'est quoi ma famille. J'ai plus le goût de rester ici. Je vais danser encore une fois avant qu'on s'en aille. Hey, c'est un slow. Les slow, ça se danse pas tout seul. Je suis capable de voir à ça. Pour avoir du nerf, ta sœur en manque pas. Elle est belle. Depuis la mort de Brunan, c'est ce que Léonie redécouvre. Avant que vous repartiez, j'aimerais danser avec toi. Quand il s'agit de science-fiction. Ça m'étonne que t'aies gobé aussi facilement les élucubrations de notre énergumène national. Si j'étais toujours pas au plus sacrant, la porte par où t'es venu. Tu peux faire confiance à Mélina. Tout ce qu'elle t'a dit, c'est vrai, mur à mur. Ça coïncide évidemment pas avec tes propres théories, en tout cas à mon sujet. Mais tu vas finir par l'admettre. Ton histoire est trop cousue de gros fils blancs, ça dépasse de partout. Quand je voudrais me mourir un tricot, je me servirai des broches à tricoter que je possède. Les tiennes, frotte-toi les dents avec. Pour un commerçant, t'es pas fort dans le marchandage. Je fais pas de négoce avec la crapule. Si tu sais vraiment où se trouve mon nom, avisant la police, t'as rien d'autre à faire. T'as déjà refusé une fois de régler à l'amiable. Ça t'a coûté pas mal de vieux billets du Dominion. Le Morneau te propose de tout te rembourser. Le montant total de ce qu'il t'a volé plus le profit qu'il a fait avec. Ça devrait contenter tout le monde, il me semble. Contenter tout le monde en échange de quoi? L'assurance pour Morneau que tu le poursuivras pas.
Une simple lettre devrait suffire. J'amène Morneau ici, ou bien ça t'intéresse pas. Je suis prêt à l'attendre une heure, mais pas plus. On va être là bien avant. Pas certain d'avoir pris la bonne décision. Qu'est-ce qui te tracasse? Ce qui me tracasse, c'est que je connaîtrai probablement jamais le fin fond de cette histoire-là. J'aurais jamais si Morneau a ajouté fin seul là-dedans, mais non, si Philippe et Manu sont en dessous. C'est ça qui me chicote. Pas Morneau, puis la lettre qui me demande. T'aurais pas dû dire à Boromé que Léonie a l'intention de travailler à boutique de forge des Beauchemins. J'aurais préféré qu'on dorme tout le monde toute la nuit là-dessus. Pour Benjamin, Benjamin est en amour par-dessus la tête. Rien qu'à voir, ça se devine de suite. Ça signifie pas pour autant que c'est sérieux. L'amouracherie avec Benjamin, ça dure jamais longtemps. Tu disais pareil quand Léonie s'est entichée de Bégin. N'empêche qu'elle s'est mariée avec lui puis qu'on a connu toutes les troupes que tu sais. Tu trains que c'est parti avec les Beauchemins, serait mieux de s'agréer tout de suite d'une bonne pompe à incendie. On risque d'en avoir besoin tout à l'heure. Laisse-moi pas tout seul. J'ai de la grosse besogne demain. J'ai besoin de dormir. Léonie et Benjamin sont pas encore rentrés. Et je veux que tout le monde soit là quand ça va arriver. Comme ça, j'aurai pas besoin de répéter comment j'entends que ça marche ici dedans ma maison. J'ai des rendez-vous cédulés pour toute la journée de demain. Comme ils sont importants, faut que je sois en forme. Tes rendez-vous pour demain annulés. Mais c'est du monde qui vient spécialement de Québec. Qui vient de Québec ou des îles Mouk-Mouk. Cancelle-moi ça. Pourquoi? Parce que je te le demande. C'est tout. Si tu nous disais d'abord ce que tu as l'intention de faire. Je vais parler juste une fois, quand tout le monde sera là. Avant, un petit silence ne fera pas de tort à personne. Écoute, Boromir... Non, Bélin. J'ai pas le goût de rien écouter. Tout ce que je veux, c'est du silence, rien d'autre. Je vais bien essayer encore une fois, mais c'est la dernière, par exemple. Tant qu'on n'aura pas joué Fanny, on n'arrêtera pas. Si on n'a pas de réponse maintenant, on recommencera demain. Il est déjà tard, là. Depuis que je suis rentrée, que vous êtes au téléphone, c'est si urgent que ça? Oui, c'est urgent. Mmh. Ça sonne, mais il n'y a pas de réponse. Il doit y avoir des scènes de nuit dans le film que Fanny tourne. Pour la rejoindre, il va vraiment falloir attendre demain, là. Ce serait mieux d'aller dormir maintenant. Je m'endors pas. Je me coucherai pas tant que j'aurai pas parlé à Fanny. Je veux pas que tu changes d'idée. Pourquoi je le ferais? Parce que c'est toujours de même que t'agis. Oh, recommence pas à chialer, veux-tu? T'es jamais capable de voir la vérité en face. T'es sûr que c'est pas plutôt de toi que tu parles? Moi, je t'ai dit clairement ce que j'avais l'intention de faire. Moi aussi. Oui, mais comme on s'entend pas là-dessus, on va attendre de savoir ce que Fanny en pense, OK? Je sais déjà qu'est-ce qu'elle va répondre. Je sais déjà que je resterai pas ici. Pis si tu te trompais là-dessus? Je peux pas me tromper. Ça irait trop mal si je me trompais. Ton fils pis toi, vous êtes pas souvent d'accord. C'est quoi le problème cette fois-ci? Je vais d'abord en parler à Pépin. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis encore ta mère. Je sais pas de ça qu'il s'agit. Tu m'as jamais fait confiance. Peut-être que si t'essayais une fois, tu te rendrais compte que je suis en mesure d'écouter, moi aussi. Je suis pas encore capable d'aller jusque-là. Je peux savoir pourquoi? Il n'y a pas de raison. Sinon que ça fait trop longtemps que c'est le même. Qu'est-ce que je pourrais imaginer pour changer ça? Juste attendre que je sois prête de mon côté. Je risque d'être bien vieille quand ça va arriver. Peut-être pas autant que tu penses. Comme Bouscotte est monté dans sa chambre, pas trop de bonne humeur, ça serait fin de ta part de t'en occuper si il revenait dans la cuisine. C'est ton fils, pas le mien. Merci quand même. Et je blaguais. Bien évidemment. Bien évidemment.
serait bien mieux de te coucher. Benjamin puis Léonie rentreront pas avant les petites heures du matin. Peu importe l'heure. J'ai pas besoin de me lever d'ici de temps qu'ils arriveront pas. La nuit porte conseil, Boromé. Disons que ça fait assez de nuit que je passe là-dessus. J'agis ça quand tu t'entêtes de même sans que je sache ce que t'as l'intention de faire. Avant, t'agissais pas de même envers moi. Tu me cachais rien. Avant, c'était avant. Depuis quelques mois, il a coulé pas mal d'eau trouble dans la rivière Bouscache. Ça veut dire que t'as plus confiance en moi. Ça n'a pas de rapport, Béline. Les choses sont assez beurrées de même, complique-la pas pour rien. Je me demande justement si des fois, toi, tu travaillerais pas les compliqués de ton bord. L'argent qui venait de la quincaillerie, je faisais des placements sous forme d'obligations retirables à demande. Sur ce plan-là, vous n'avez rien perdu, bien au contraire. Quand vous allez avoir négocié tout ça, vous allez réaliser. Je suis capable de calculer moi-même, je n'ai pas besoin de tout pour faire les comptes. Depuis tôt que tu réponds à une question. Il me semble que si je rapportais ce que je vous ai pris à quincaillerie, j'avais plus de réponse à vous donner sur rien. C'est une assurance dont j'ai besoin. Comme Manu est là. Je voudrais que tu me dises devant Mélina puis moi qu'il n'a pas pris part d'aucune façon à tentative de fraude. Et je voudrais que tu me confirmes la même chose pour Philippe. J'ai agi tout seul. Manu et Philippe n'ont rien à voir là-dedans. Je peux maintenant voir ma lettre? Tu mériterais que la police survienne, te mette les menottes puis te conduise tout droit d'une cellule. Elle avait ta lettre. Des cabanes à cette heure, ça presse. J'aimerais la lire avant. Attends pas que je sois au bord du comptoir pour te faire comprendre que t'es mieux d'aller tout de suite avec un aller simple pour Montréal. J'en regarde quand même. Des caisses, c'est-tu clair? Excuse-moi. Je pensais que t'étais tout seul. On se reverra plus tard à la maison. Ah, comme tout est réglé. Dérange pas, ben au contraire. J'ai à parler à Charles, je te retiens donc pas. Tu pourrais au moins me remercier d'avoir contribué à arranger les choses. Une poignée de main, ça symboliserait peut-être le retour à notre amitié d'antan. Tu penses pas? J'en suis pas encore là. T'as besoin de t'amender encore pas mal avant qu'on se retrouve comme il y a 20 ans. Attends pas trop longtemps. Le temps passe vite, Antoine. Ben, je vous laisse, toi deux. Non, non. Content que tu sois là. Puis, je pense pas que mon père va m'en vouloir de dire ce que j'ai à dire devant toi. Oh? Hum? Pas trop tôt pour que tu m'apprennes pour ton projet. Je pense que tout le monde le savait déjà, sauf moi. Rien de certain. Mais maintenant, c'est clair pour moi. Je commence un stage à l'Île Verte pour devenir beurrier. Oh. Puis, j'ai inscrit Bouscotte à l'école Chanois de Côté pour l'automne. Ça signifie donc que tu restes à trois pistoles? Ça m'en a bien l'air, oui. T'es pas content? C'est une belle journée. La plus belle journée depuis longtemps. Belle. Demain soir à Anjou, le jour où maman va mourir, c'est un reportage émouvant sur des femmes monoparentales qui se battent contre le cancer. Évidemment, c'est un drame pour leurs jeunes enfants et un cauchemar pour elles. Mais dans deux minutes, le début d'une mini-série dramatique, le projet Arrow. Bonne soirée.